J'ai donc demandé une mobilisation de plus de 90 000 policiers et gendarmes, auxquels se rajoutent 5 000 militaires de l'opération Sentinelle, et puis des dizaines de milliers de sapeurs-pompiers également, puisque la sécurité civile sera particulièrement mobilisée. On l'a vu à Paris, avec ce périmètre présenté par le préfet de police de lutte contre le terrorisme, qui permettra de faire des fouilles à l'arrivée des Champs-Élysées jusqu'à la Grande Armée, un périmètre jusque-là jamais aussi étendu, une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre, mais également en province. Aujourd'hui, c'est 73 unités de forces mobiles qui sont mobilisées, dont les 5 nouvelles unités, les CRS 8, qui permettent un peu partout sur le territoire national d'intervenir en cas de violence urbaine.